besoin de toi, maître. Heureuse est la mère qui t'a porté et allaité. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent. Apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. Quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Protège-nous contre la tentation et délivre-nous du mal. » Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le Sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le Saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Mais quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que « tous ont péché » et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Peut-être êtes-vous prêt maintenant à ouvrir votre vie à Dieu. Si oui, vous pouvez vous joindre à la prière suivante, silencieusement.
dans votre cœur. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je confesse mes péchés et je m'en repens. Je t'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Merci de me pardonner mes péchés et de me donner la vie éternelle. Fais de moi le genre de personne que tu veux que je sois. Maintenant que je deviens l'un de ceux qui te suivent. Amen. Jésus a dit à propos de ses disciples, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Pour expérimenter la vie en abondance promise par Jésus, ceux qui le suivent parlent à Dieu chaque jour dans la prière et lisent ou écoutent sa parole. Ils parlent de lui à d'autres personnes et rencontrent régulièrement ceux qui l'aiment et le suivent. N'oubliez pas sa merveilleuse promesse. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ahubwo hahiri wabumva ijambo ry'Imana bakaryumvira. Twigishe gusenga nkuko Yohana yigishije abigishwa biwe. Nimwasenga muvuge muti. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Ubwami bwawe buze. Ibyo ushaka be mu isi nkuko biba mu ijuru. Uduhe ibyo kurya bidukwiye uyu munsi. Utubabarire ibyaha byacu nkuko tubabarira ababitugirira. Udukingire ibitwosha nabi, ariko udukize wa mubi. Mu gihe cya kera bavugishwa n'Imana banditse mu ijambo ryayo ko izorungika Mesiya gukiza abanyabyaha no kubanywanisha nayo. Ubuzima bwa Yesu burerekana neza ko uwari we mukiza Imana yari yarasezeranye. Umuvugishwa n'Imana Yesaya yanditse ati, "Inkumi zosaminda ibyara umuhungu," kandi niko byabaye. Kubw'ubushobozi bwayo, Imana yatumye Mariya saminda naho yari sugi hanyuma byara Yesu. Nk'uko byari byaranditswe mu byanditswe byeranda, uburyo yavutsemo cyari kimenyetso cy'uko uwo mwana ari we Mesiya, uw'Imana yita umwana wayo mu buryo bw'impwemu atari mu buryo bw'umubiri. Muri Yesu niho abantu bamenyeye akaranga n'ubushobozi bw'Imana. Yakijije indwara z'abantu, abaharira n'ibyaha byabo. Yaremereye abamwizera icyicaro mu bwami bwiwe buhoraho. Yesu yatanze ubugingo bwiwe, yongera yemera guhanwa mu gishingo cy'abantu. Hanyuma yarazutse mu bapfuye, ibyo byerekana ubushobozi bwiwe ko buruto bw'urupfu. Yesu ari we Mesiya yavuze ati, "Mfise ububasha bwo gutanga ubugingo bwanje kandi mfise n'ububasha bwo kubusubira ko." Ubuzima bwa Yesu, uretse kwemeza ibyo yavugishwa n'Imana bavuze, bwemeza neza ukuri kw'ijambo ry'Imana. Mu by'ukuri Yesu niwe jambo w'Imana, muri we niho Imana yerekera abantu. Umwami Yesu ubwiwe yaravuze ati, "Ijuru n'isi bizorangira ariko ijambo ryanje rizohoraho." Ubwa mbere Imana yaremye umugabo n'umugore ngo babane banezerewe imbere yayo.
ariko ntibayitayeho batako barayigarariza. Iyo nyifato yabo mbi yabatandukanije n'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo bose bakoze ibyaha. Rirongo rikavuga riti ingero yicaha n'urupfu. Abanyabyaha ntibashobora kugiriranira imigenderanire n'Imana. Nk'uko Imana yatanze imfizi y'intama igafa mu gishingo cy'umwana wa Aburahamu, niko yarungitse Yesu agafa mu gishingo cy'abantu. Kwari ukugira ngo abizera Yesu banywane nawe kandi bagiriranira ubucuti n'Imana. Intumwa Petero yavuze ati Yesu niwe abavugishwa n'Imana bose bavuze ko ngo Imana igiye guharira abamwizera bose. Kubw'ibyo abizera Yesu bose bazokira ca gihano cy'umuriro maze babane n'Imana ibihe bidashira muri paradiso. Amaze kuzuka mu bapfuye, Yesu yabwiye abamukurikira ati abantu bazomenyesha amahanga yose mu izina ryanje ko Imana iharira bihana bakayigamburukira. Yesu yavuze kandi ko azorungika mpemu yera ngo agumane n'abamukurikira kugira ngo abereke ukuri yongere abashoboze gukurikira inzira y'Imana. Yavuze ati mpagaze ku rugi ndaramukije, umuntu niyumva ijwi ryanje kugura urugi rinjiriwe dusangire. Kwakira Yesu si ukwiyumva mu nyigisho ziwe gusa, ariko no gufata ingingo yo guhindukirira Imana ukihana, n'ukwemerera Yesu ngo aze muri wewe aguharire ibyaha. Wa mugore amaze kwihana ibyaha agakurikira Yesu, nawe yaciye amubwiye ati ibyaha byawe urabihariwe kuko wanyizeye. Ca gisuma cizera Yesu kiri ku musaraba kikamusaba kukikiza yakibariye ati uyu munsi urabana nanje muri paradiso. Yesu yavuze ko ukunda by'ukuri aba yerekanye ko yahariwe ibyaha kandi yahamagaye abantu ngo bamukurikire. Birashoboka ko nawe wamaze kwitegura kwakira Yesu mu mutima wawe. Abahisemo gukurikira Yesu berekana iyo ngingo bafashe mu kuvuga isengesho rimeze nk'iri, risubiremwo mu mutima wawe. Mwami Yesu, ndagukeneye ubu. Ndagushimiye ko wapfuye ku musaraba kubw'ibyaha byanje. Ndakugururiye urugi rw'umutima wanje. Ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza wanje. Ndagushimiye kumpariye ibyaha byanje kandi kumpaye ubugingo budashira. Ndagusabye ngurongore ubuzima bwanje kandi umfashe kubaho nk'uko ushaka. Amen. Yesu yaravuze ku bamukurikira ati abanje bumva ijwi ryanje ndabazi nabo barankurikira. Kugira ngo bakure mu migenderanire yabo n'Imana, abakurikira Yesu bakoranira hamwe n'abandi bamukunda, bakamubwira ibyabo iminsi yose mu gusenga, bakiga ijambo ry'Imana kandi bakifuza kwisunga karorero kiwe. Yesu arabarongora akongera akabashoboza ku bwamuhemu w'Imana ari muri bo. Bazigama mu mitima yabo ibyo Yesu yabwiye abamukurikira igihe yaduzwa mu ijuru. Yavuze ati Imana yampaye ububasha bwose mu ijuru no mu isi, umve ndi kumwe namwe iminsi yose gushitsa ku muhero w'isi.